Alors aujourd'hui, nous allons faire le premier TD en généralité sur l'optique géométrique. Alors, la première question, c'est citer quelques systèmes optiques d'usage courant. Et la deuxième question, dans les configurations ci-dessous, S représente un système optique et les points A et B sont conjugués à travers S. Précisez la nature objet ou image réelle ou virtuelle des points A et B. Alors, ce qui concerne les systèmes optiques d'usage courant. On a par exemple les lunettes, c'est les lentilles, la loupe, le microscope. Alors, pour la deuxième question, a donc le S et le système optique. Et donc A, c'est l'objet. Pourquoi A, c'est l'objet? Parce que il est une source de lumière. On remarque que la diffusion des rayons lumineux se fait à partir de A. Et ces rayons sont réels. Comme ces rayons sont réels, ça veut dire que A est un objet réel. Nous لاحظ انطلاق الأشعة من النقطة A. وبما أن انطلاق الأشعة يتم من النقطة A فإن النقطة A تعتبر جسم جسم مضيء وبما أن هذه الأشعة فهي حقيقية فإن الجسم A فهو جسم حقيقي. En traversant le système optique, ces rayons lumineux convergent vers un point B. Et cette convergence est réelle par des vecteurs réels. Par conséquent, on considère que le P est une image réelle. عند اختلاق الأشعة هذا le système optique فهي تتقارب نحو النقطة B وهذا التقارب فهو تقارب حقيقي وبالتالي تعتبر النقطة B عبارة عن صورة حقيقية. Alors, ce qui concerne le deuxième K, on remarque que A est une source des rayons lumineux réels. Et par conséquent, A est un objet réel. Parce que le point de départ de ces rayons, c'est le point A. En revanche, on remarque que, traversant le système optique, ces rayons vont diverger. Il n'y a pas de convergence dans ce côté. La convergence se fait de l'autre côté, dans le côté virtuel, en prolongeant ses rayons vers un point virtuel B. Et par conséquent, le point B est considéré comme une image virtuelle. في هذه الحالة فإن التقارب غير حقيقي وذلك عن طريق امتداد أشعة خيالية اتجاه النقطة B وبالتالي تعتبر النقطة B عبارة عن صورة خيالية. Alors ici on remarque que on a des rayons lumineux arrivant d'où on ne sait pas parce qu'ils sont divergents. Et la prolongation de ces rayons se fait en point B, en point A. Et par conséquent, on peut considérer que le A est un objet virtuel.
الأشعة التي تأتي من حيث لا ندري فهي أشعة متباعدة، وهذه الأشعة لا تتقارب بصورة حقيقية ولكن تتقارب عن طريق امتدادها بصورة خيالية في النقطة A، وبالتالي تعتبر النقطة A عبارة عن جسم خيالي. En traversant le système optique, عند اجتياز le système optique, on remarque que ces rayons lumineux divergent vers un point B. هذه الأشعة تتقارب نحو النقطة B. Ces rayons sont réels. هذه الأشعة حقيقية. Et par conséquent, on considère que le B est une image réelle. Le deuxième exercice. À travers un système de deux miroirs, plan M1 et M2, vous, O1, pouvez voir les yeux d'une autre personne O2. Est-il possible à cette personne de voir vos yeux? Justifiez. Alors, on remarque que on a des rayons lumineux de O2 qui se dirigent vers le miroir M1. Bien sûr, le rôle du miroir est de réfléchir les rayons. Alors, quand le rayon est réfléchi de M1 vers M2, le rayon tombe sur M2. Et après sa réflexion, il va directement sur O1. On remarque que dans ce cas-là, O1 reçoit les rayons venant de O2 et par conséquent le O1 peut voir le O2. Nous لاحظ أن الأشعة الآتية من النقطة O2 تتجه إلى المرآة M2 وبالتالي هذه المرآة تعمل على عكس هذه الأشعة نحو المرآة رقم 1. والمرآة رقم 1 تعمل على عكس الأشعة نحو المرآة رقم نحو العين O1، وبالتالي نلاحظ أن العين O1 تتلقى الأشعة الآتية من العين O2، ومنه يمكننا الاستنتاج أن O1 يمكنها رؤية O2. En revanche, O2 ne reçoit pas les rayons lumineux venant de O1. Et par conséquent, O2 ne peut pas voir O1. الأشعة الآتية من O1 لا يمكن للعين O2 أن تراها، لأن اتجاه الشعاع يتم من O2 إلى O1، وبالتالي O1 تتلقى الأشعة الآتية من O2، ولكن O2 لا تتلقى الأشعة الآتية من O1. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir et au prochain TD.